Pour la base de la maison, nous aurons besoin de planches de pin ainsi que de planches de chêne. Donc, nous allons commencer à faire un cercle, un rond, hein. Donc, nous allons mettre 5 bûches de pin collées. Ensuite, nous allons mettre 2 bûches en diagonale. Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Ensuite, en diagonale, vous en remettez 5, mais collées. Comme ceci. De l'autre côté, vous faites pareil, 2 en diagonale. Et 5 bûches après en diagonale, toujours, mais après droit. Donc, ça donne ça. Nous refaisons, enfin, nous remettons bas en bon, 2 bûches en diagonale et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que ça doit vous donner. Ensuite, nous allons partir de cette bûche. Voilà, celle de milieu, hein, 2 et 2. Donc celle de milieu, on va partir et on va en mettre 6. Voilà, pour qu'il y en ait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va laisser 2 d'espace pour la porte que je vais mettre tout de suite. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous avez ça, c'est bon. Je vais mettre le beau temps. Et je vais mettre le jour. Voilà. Quand vous avez mis donc 6 là de chaque côté de la porte, on va en mettre un en diagonale vers l'arrière. Puis nous allons mettre encore en diagonale 14 blocs cette fois-ci. Donc là nous sommes à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Ensuite nous allons en mettre 13. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça donne ça normalement. Voilà. Vous en mettez 4 comme ceci, mais en avançant, donc en diagonale, vous en mettez 1, hop, on revient vers l'avant, en diagonale, mais 3 à côté. Et vous mettez un vers l'avant, encore en diagonale, puis un autre, puis un autre, puis un autre pour en avoir 4. Et on rejoint 2, 3, 4, et donc ça rejoint en diagonale, avec celui qui est au milieu, la bûche qui est au milieu, 2 et 2. Voilà. Donc, nous avons à présent terminé la base de la maison. Donc, je vous reprends quand j'ai fait le sol en planche de chêne. Voilà, que vous pouvez vous aussi faire en attendant. Donc, on se retrouve tout de suite. Re, alors, si vous avez terminé la base comme moi, on va pouvoir commencer à faire la maison. Donc, on va faire un étage déjà, comme toutes les maisons, voilà, hein, dans Minecraft et dans le monde réel. Donc, on va monter de 4. Voilà. Pour l'instant, je laisse pas de trous pour les vitres. Les vitres, on les mettra à la fin, quand on aura fini et qu'on commencera à mettre les petits détails pour rendre jolie la maison, mais sinon, voilà. Mettra après. Hop. Super. Donc là, on met de 4 partout. Voilà, on monte de partout. On fait le contour, quoi. Sans faire n'importe quoi, comme moi. Je vais aller trop vite, mais je fais n'importe quoi. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et donc là, le rond, pareil, on l'entoure de planches de chêne, hein. Voilà. Donc en fait, ce rond là, bah, il fait partie de la maison. Ça va pas faire une cheminée, mais ça va faire
une espèce de tour, enfin, vous allez voir, c'est joli, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà, on va refaire ça. Donc on monte de 4, pardon, à chaque fois. Et voilà. Donc quand vous avez monté de 4... Ah, je vais biscoter. Mon dieu. Voilà. Donc, normalement, ça donne ça pour vous. Voilà, ça donne ça pour vous normalement. C'est... J'ai oublié de mettre là aussi. Bon, ça... Voilà, on va mettre comme ça. Hein. Donc voilà, ça vous donne... ceci pour le moment. Voilà. Donc, continuons. Nous allons remettre des bois de... des bûches de pain. Hein. Des bois de pain. Hein. Au-dessus, donc. Comme ceci. Pareil qu'en bas. Hein, c'est très très joli, ça rend bien. On mettra après des dalles en bois de je ne sais quoi. Et on les collera à ces bûches. Voilà. Alors donc, comme je disais, on va mettre des dalles de bois chêne foncé. Attention, c'est du chêne foncé, hein. Donc, on va voir si ça rend bien. Ouais, ça rend bien, c'est bon. Donc, on va en mettre. Et on en met tout le long des bûches. Voilà. On en met tout le long des bûches. Hop, hop, hop. Il est 1-1. Voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, nous en mettons également au-dessus. Donc face, enfin collé au bûche. Hein. C'est exactement pareil qu'en bas. Sauf que là c'est en haut. Faut se calmer un peu, hein. Qu'est-ce qui m'arrive là? Ouh. Voilà, donc ça donne ceci. Ça rend très c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Donc hop, un petit screen. On continue donc pour la tour, on va remonter de 4, hein. Donc on va entamer le second étage. Voilà, toujours de 4, hein. Ouais, de 4, donc ouais, j'ai pas compté en fait, excusez-moi. Donc voilà, on remonte de 4. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. C'est long et c'est chiant. Voilà. Ouais, encore, c'est pas une maison, c'est pas un manoir, hein. C'est une maison, hein. Mais c'est vrai que c'est chiant. C'est pas compliqué, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et allez, on continue. Voilà.
continuer encore, encore. Alors ouais, je pense que ça va être une maison à 3 étages. Hein. Ou... Non. Vous allez voir ce que je vais faire. Attendez, hein. Enfin, vous allez voir quand j'aurai terminé cette tâche lourde. Donc voilà. Vous continuez. Toujours pareil, on monte de 4. Hop. Faire un étage. Allez, voilà, presque fini. Très bien, quand vous avez terminé, vous remettez pareil du bois de pin. C'est toujours pareil, rien n'a changé. Vous en mettez de partout au-dessus des planches. Et donc on continue. Alors, si vous... Voilà, ne vous trompez pas, c'est le bois de sapin. Hein. C'est celui qui a pour les sapins. Ouais. Donc, ne vous trompez pas. Hop. Voilà. Vous remettez des dalles de bois chêne foncé collées aux bûches de sapin. Voilà. Les coller, hop, en bas bien sûr, pas en haut, en bas. Alors moi je fais vraiment en bas, moi je fais n'importe quoi. Putain de fail. Allez, allez, voilà, allez. Et voilà. Et donc, quand vous avez terminé ceci, vous allez juste faire un étage de plus, mais que pour la tour cette fois-ci. Donc, vous remontez de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue, on continue. Pareil, vous mettez du bois de pin. Hop. Et vous remettez des dalles de bois chêne foncé, j'avais oublié. Voilà. Toujours en bas. Ça ne change pas. Ça donne ça pour la tour. Et j'en ai marre hein, de toujours être la nuit. Moi, je me rends pas compte que c'est la nuit en fait. Je suis désolé, mais je me rends pas compte que c'est la nuit. Donc, ça vous donne ceci. Alors, bah, vous avez terminé la tour. Du coup, nous allons faire un toit plat en planche de pin. En planche normale. Hein. Voilà, nous allons tout combler. Et nous allons faire un toit à partir de dalles. Toujours les mêmes dalles. Hein. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous prenez ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va hop, mettre les dalles sur les bûches. Voilà. Quand vous avez fait ça... Vous remplissez tout ceci là de dalles. Ensuite, attendez. Quand vous avez terminé, vous allez en remettre de telle sorte qu'il y a toujours comme des escaliers en fait, qui est toujours
un devant quoi. Vous voyez là, hop, hop. Si vous n'avez pas compris, vous faites comme moi. Voilà. Je prends mon temps, je vous montre bien. Tac. Toujours faut. Faut pas qu'il soit là. Il faut que vous laissez ça et après que vous montez. En fait, au fur et à mesure, on va faire comme un toit, on va monter. Vous voyez là, on remonte. Voilà. Ça fait comme des escaliers. Sauf que je voulais pas mettre un toit en escalier sur la tour parce que je me suis dit que bah, ça le ferait pas, tout simplement. Donc allez, voilà, hop, on remonte. On remonte. Et vous remontez. Alors ça donne ça. Si vous ne l'aimez pas comme moi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des dalles en haut aussi pour cacher les bûches là. Et normalement, ça devrait après être beaucoup mieux. C'est carrément mieux, hein, voilà, c'est mieux. C'est tout de suite plus joli. Enfin bref. Nous allons faire le toit maintenant, bah, de tout ça là, hein. Voilà, de la maison elle-même. Donc nous remplissons tout ceci de planches. Là c'est plutôt rapide donc ça va. Quand nous aurons terminé de faire la maison, nous ferons mettrons les vitres, enfin les petits détails quoi, pour que la maison soit encore plus jolie qu'avant. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre des escaliers de la même couleur, donc en bois de chêne foncé. Et nous allons les placer comme ceci. Donc, hop. Cela. Voilà, celui-là doit être dos à ceux de là-bas et inverse pour les autres. Et donc là on va faire tac tac et là hop on tourne. Donc il faut, on va assembler les escaliers puisque maintenant nous pouvons assembler les escaliers. Donc ça c'est vrai que c'est, ça change tout hein, c'est très joli. Hop, continuons. Voilà, là c'est assemblé, là j'assemble, là aussi, parfait, parfait. Donc, dans mon premier tutoriel, j'ai pas montré comment faire le toit, mais là je vais le montrer parce qu'il y a eu des questions, les gens n'ont pas compris. Il y en a qui n'arrivaient pas à faire le toit, donc là je vais vous montrer comment on le fait. Enfin, c'est très simple, hein, je sais pas pourquoi il y avait eu des problèmes hein, à ce niveau-là, mais bon. Donc, vous prenez dans votre inventaire les planches de bois chêne foncé, hein, voilà. Et dès que vous avez fini déjà de faire le premier contour, donc de mettre les premiers escaliers, et d'avoir fait le contour, et ben vous allez mettre des planches pour que tout soit plat. Pourquoi, je vous expliquerai dans 2 secondes. Donc pour l'instant, vous remplissez tout là. Ah, vous remplissez. Ah.
vous remplissez toute la surface, vous la remplissez. Je suis vraiment concentré, donc désolé si je ne parle pas là à des moments. Je sais pas, je suis concentré pour mettre des planches, hein, donc veuillez m'excuser. Hein. Hop. Et là, vous avez terminé. Donc, quand vous avez terminé de mettre les planches, et ben vous avez qu'à mettre les escaliers par-dessus. Voilà, c'est très très simple. Hop, vous assemblez au fur et à mesure. Vous mettez les escaliers et vous assemblez. C'est honnêtement, voilà, je vois pas pourquoi les gens, enfin pourquoi des gens n'y arrivaient pas. On m'a pas spammé comme quoi ça marchait. Enfin, ils n'arrivaient pas au toit, mais il y avait quelques personnes qui ne comprenaient pas. Mais sinon, les gens avaient compris quoi. Hein. Enfin. Alors le toit. On va pas le continuer tout le temps. On va pas le continuer, enfin jusqu'au bout, pardon. On va l'arrêter. Mais pour l'instant, juste, on va faire pareil que ce que j'ai fait. Nous allons mettre là encore des dalles pour cacher les bûches, puisque ce n'est pas très joli. Voilà, moi je trouve que c'est pas joli, donc vous pouvez enlever. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'enlève parce que je n'aime pas du tout. Voilà, je vais remettre le jour. Alors voilà ce que ça donne, hein. C'est une petite maisonnette simple, jolie. Voilà, moi je trouve que c'est très joli comme ça. Alors après, nous allons mettre les vitres puisqu'il n'y a aucune vitre. Donc les vitres, on va plus particulièrement les mettre à la tour. Donc moi je vais mettre des rouges parce que j'aime beaucoup les vitres colorées. Enfin, il y a que le rouge en fait que je trouve qui est joli. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des vitres rouges, hein. Vous pouvez mettre des vitres normales quoi, sans couleur. Ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je mets en couleur parce que j'aime le rouge. Moi je trouve que c'est une très belle couleur le rouge et puis ouais je trouve que c'est sympa quoi les vitres colorées là, ça va bien avec le bois. Donc ouais, j'aime beaucoup. Voilà. On va aussi en mettre là peut-être. Peut-être, ouais ça va, c'est pas mal. Ouais c'est bien. Voilà. Donc on va en mettre 3. Et ben c'est parfait, écoutez, moi j'aime beaucoup. On va mettre quand même un tapis. Hein. Parce que. Enfin, quand je dis tapis, je vais mettre de la laine rouge. Voilà. Mettez de la laine rouge. Comme ça quand même ça fait genre maison classe quoi. Ça c'est très joli. Moi j'aime bien. C'est une petite maison normale, hein, franchement. Voilà, hein, pas besoin d'avoir des talents en architecture énorme, alors que pas du tout. Je n'ai aucun talent d'architecte et voilà, c'est des petites maisonnettes, toutes simples. Alors, on peut mettre après des clôtures. Les clôtures, je suis en train de voir comment on pourrait faire. Est-ce que si je fais ça... est-ce que si je fais ça... Et ça... Ah bah ça choque pas du tout. Ah ouais ça choque pas du tout. Mais est-ce que si je mets donc des clôtures... On va voir. Ouais. On fait ça. Alors là je teste. Hein. Si vous voulez... si vous trouvez que c'est beau vous pouvez le mettre mais je teste. Et là comment on ferait ? Comme ça. Moi franchement
Ouais, ça va, je trouve que c'est classe. Ouais. Bon. Eh ouais, mais bon, si j'en ai mis là-bas. On va mettre des clôtures en fait sur les coins. Ouais. Bien. J'aime beaucoup moi. Alors vous, si vous n'aimez pas, bah vous ne mettez pas, hein. Je vous oblige pas du tout à mettre ceci, hein. Donc là, je vais voir comment ça fait. Si je mets ça comme ça. Ouais, non, là par contre, ça va pas. Ouais, là ça va pas. Bon, bah après. Ah oui, là je peux en mettre des clôtures. Hop. Ouais, c'est bon. Ouais, ça change rien, mais c'est, je sais pas, moi j'aime bien. On va en mettre là aussi si on veut. Non. Stop. Alors après, pour allumer la maison, enfin pour la lumière quand il fera nuit. Nous mettons des torches là. Vous savez quoi? On va mettre la nuit. Je vais mettre un chiffre au pif puisque je ne connais pas la commande pour mettre là. Ah bah c'est bon. Voilà. On va en mettre également là. Voilà. On va en mettre aussi là. Voilà, en fait, on va en mettre à chaque étage. On va en mettre deux à chaque étage. Là, on va en mettre ici. Puis là. Voilà. On va pas se compliquer la tâche, hein. Ça rend super bien. J'adore. Voilà. Après, on peut même faire quelque chose. Mettre une cheminée. Une cheminée. Je suis en train de... Je commence à partir dans mon délire là. Une cheminée, attendez. Où est-ce qu'on pourrait la mettre, la cheminée? Ouais, c'est une cheminée, c'est là. Hein. Bon, je vais voir si c'est pas choquant quand même. Enfin... Ah mais ouais, mais mince. Et si on fait ça... Si on fait ça... Waouh. Vous faites comme vous voulez si vous voulez mettre... si vous voulez mettre une cheminée. Ah mais du coup si vous mettez la cheminée vous enlèverez... ces escaliers là qui posent problème. Voilà. Bon. Et ben écoutez, j'ai oublié quelque chose encore. Pour finir, nous allons mettre des trappes. Voilà. Pour faire style que c'est des volets. Là aussi. Et en fait, j'ai mis pas mal de vitres et j'ai oublié de mettre des trappes. Bon, bah c'est pas grave. Allez, hop. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la maison. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir, donc si vous me disiez ça. Voilà, j'aimerais quand même que ma maison plaise à des gens, hein, donc si elle vous a plu, franchement, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir. Si vous n'avez pas aimé, bah je comprends. Vous me mettez pourquoi vous n'avez pas aimé, hein, si vous voulez, hein, sinon bah vous mettez rien, enfin je sais pas. Faites comme vous voulez, vous mettez un pouce rouge ou quoi, bah c'est pas grave, bref. Voilà, j'ai fini. N'hésitez pas donc à partager la vidéo après, enfin bref, hein. J'ai rien à vous dire, moi vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc moi, je fais les vidéos, mais vous, c'est vous qui faites vivre la chaîne, qui la faites partager, tout ça. Donc bref, vous faites ce que vous voulez, voilà. On se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo. Je vais bientôt en faire une, je pense, sur... je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de sujet particulier, mais... voilà, sachez qu'une vidéo encore va être mise, hein, il n'y en a pas longtemps, sur ma chaîne, voilà. Donc voilà, c'était Spunky, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!